Salut tout le monde, c'est ONU133 et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau tour de magie expliqué avec des cartes. Alors pour ce tour-ci, je donne le paquet de cartes au spectateur pour que celui-ci puisse le mélanger. Il peut vraiment le mélanger plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Une fois que c'est fait, je récupère le paquet de cartes et je vous montre que le paquet est tout à fait normal. Je n'ai bien que des dos bleus. Et alors si on regarde de l'autre côté, toutes les cartes ne sont bien pas identiques, on a bien que des différentes. Et alors maintenant, je vais noter une petite prédiction sur un papier. Alors, je vous préviens, je dessine vraiment pas bien. Mais bon, on va faire avec. Alors maintenant que c'est fait, je rends le paquet de cartes au spectateur. Et alors celui-ci va choisir un numéro entre 10 et 52 et à chaque fois déposer le nombre de cartes qui correspond au numéro qu'il a choisi. Donc ici, on va prendre un exemple 23 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, maintenant que c'est fait, le spectateur récupère son paquet et va le diviser en deux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Alors vous vous souvenez, tout à l'heure j'ai noté une prédiction. Voici ma prédiction, donc le 2 de cœur et le 2 de trèfle. Et du coup, j'invite le spectateur à retourner les deux cartes. Et on se rend bien compte que j'ai le 2 de cœur et le 2 de trèfle. Voilà, je vous propose de passer directement aux explications. Alors pour les explications du tour, c'est très simple, vous avez besoin d'un paquet de cartes, d'une feuille et d'un bic. Une fois que c'est fait, vous prenez le paquet, vous le donnez à mélanger au spectateur. Il peut vraiment mélanger autant de fois qu'il veut, il n'y a vraiment pas de problème et vous n'avez pas à préparer le paquet de cartes. Une fois que c'est fait, vous faites un petit éventail avec les cartes pour montrer que les cartes sont bien toutes à dos bleus. Et ensuite, on monte de l'autre côté pour bien montrer que toutes les cartes sont tout à fait normales. Alors ici, je vais vous les remettre un petit peu parce que c'est un petit peu hors champ caméra. Et en fait, vous, votre but, ça va être de mémoriser les deux premières cartes et d'aller les noter pour votre prédiction, en sachant que c'est mieux de mettre à gauche la deuxième carte et à droite la première. Donc, le valet de trèfle à gauche et le roi de carreau à droite. Une fois que c'est fait, vous cachez votre prédiction. Et alors, vous demandez au spectateur de choisir un chiffre entre 10 et 52. 52 pourquoi? Simplement parce qu'il y a 52 cartes dans le paquet. Et 10, c'est juste pour avoir un nombre suffisant que pour faire un paquet plus ou moins épais. Si vous oubliez de choisir un numéro entre 2 et 52, il va juste prendre les deux premières cartes et ça ne sera pas très intéressant. Donc au moins jusque 10. Alors ici, pour gagner du temps, on va dire que le spectateur choisit 10 cartes. Donc vous lui demandez de faire un paquet donc de 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que c'est fait, le reste du paquet, on s'en débarrasse. Et alors, on n'a plus que le paquet avec les 10 cartes. Là, vous demandez au spectateur de faire deux tas en feuilletant les cartes une par une et en les mettant de gauche à droite à chaque fois. Donc, on le fait. Voilà. Enfin, le spectateur le fait. Et alors maintenant, vous allez lui mettre la prédiction devant les yeux. Et vous allez lui demander de retirer les deux premières cartes de chaque tas. Et alors du coup, on obtient donc bien le valet de trèfle et le roi de carreau. Voilà, j'espère que ce tour de magie vous aura plu. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau tour de cartes expliqué. Ciao !